De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an. Chose à Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, qui maintenant aussi à l'heure de la terreur, on ne sort plus le soir à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Il se passe quelque chose à Monopoly. Il se passe quelque chose à Monopoly. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Les étoiles noires descendre sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? Toujours les étoiles noires. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de toit. On n'a pas la virile, mais on fait peur à voir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Et quand tu vois du sang sur ton lame de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville.
arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on pense incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville, dans la ville souterraine, et plongé dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mentir, ça nous paraît bizarre. C'est vrai qu'on est débile, c'est vrai par des espoirs. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va s'est tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard, de peur qu'on écrase nos gros jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Depuis la capitale de l'hémisphère occidental. Ici Roger Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ce mouvement terroriste vient d'allonger la liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont bien failli perdre la vie. Quand le système d'aération d'un souterrain d'habitation situé dans la zone industrielle a été déréglé par des mains criminelles. D'autre part, une bande de motards portant au front une étoile noire et une mitraillette au poing ont attaqué ce matin le métro aérien. Un convoi armé a été appelé dans la capitale par la police locale pour maîtriser ces étoiles noires qui veulent ébranler le pouvoir. En cette période électorale, nous en reparlerons dans notre éditorial. De temps en temps, je baisse le son de la télévision pour écouter un peu les conversations. C'est fou ce qu'on peut entendre, c'est fou ce qu'on peut voir quand on passe sa vie derrière un comptoir. Dans une conférence de presse qui a fait l'effet d'une bombe, l'homme le plus riche du monde, 0 janvier, célèbre constructeur de gratte-ciel, a annoncé sa candidature officielle aux élections qui éliront le président de l'Occident. En tant que chef incontesté du parti pris pour le progrès, 0 janvier s'est engagé à rétablir l'ordre dans la cité. Voici un court échantillon de ses déclarations. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques. Vivons l'aventure du futur. Si l'on veut diviser, de faire que la terre devienne un jour un seul pays totalitaire, l'Occident doit fermer ses frontières à toute influence étrangère. Un autre communiqué qu'on vient de recevoir, signé les étoiles noires, a revendiqué l'attentat d'hier soir. Un certain Johnny Rockford serait l'homme fort des étoiles noires. Moi, les étoiles noires, je peux vous en parler. On les voit tous les soirs à l'Underground Café.
C'est ici qu'ils préparent tous leurs attentats, sous la direction d'une dénommée Sadia, une révolutionnaire, une fille à papa qui a des idées bien arrêtées. Mais quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle sort de l'université. Regardez-la, la voilà, Sadia. Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui me ruent. Regardez cette femme qu'elle a vue. C'est une femme comme on n'en voit plus. Est-ce une star en déconfiture? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure, cette chevelure d'un bleu azur. Johnny Rockford s'est levé. Elle s'est approchée, elle s'est présentée. Ils sont restés debout au bar. Ils ont parlé très tard. Flashback. J'ai entendu parler de toi et de ta bande de petits copains. Vous faites pas mal de bruit déjà, mais ça pourrait janvier, c'est l'ennemi numéro un. Il faut à tout prix l'empêcher.
C'est comme ça que tout a commencé. À partir de ce jour-là, Johnny et Sadia ne se sont plus quittés et les étoiles noires ont fait la une des journaux du soir. Au fond, Johnny n'avait qu'une envie, c'était de faire parler de lui. On peut dire qu'il a réussi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. J'ai envie de rien, j'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. Oh, j'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à la de grâce. Il y a longtemps que j'ai pas vu le soleil. Dans mon univers souterrain, pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Au soleil.
Et voici maintenant l'émission préférée des jeunes de tout âge, l'émission numéro 1 dans tous les sondages, Starmania, présentée par Cristal, le sourire de Télécapital. Starmania, Starmania. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Starmania, qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas toi? Starmania, voulez-vous jouer avec moi au jeu de la Starmania? Écrivez-moi, racontez-moi votre vie, vos envies, et dites-moi qui vous voudriez être et qui invité d'aujourd'hui, 0 janvier, le leader du PPPP, qu'elle est allée rencontrer dans ses bureaux de la Tour Dorée, où il lui a exceptionnellement accordé une interview passionnante et passionnée, dont voici les meilleurs moments. 0 janvier, vous êtes un homme d'avenir. Quel conseil avez-vous donc à offrir à tous les jeunes qui rêvent de réussir? Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Tous les matins, je reçois un courrier immense des jeunes qui me demandent de leur donner leur chance. Regardez-moi, je suis parti de rien. Chacun doit forger son destin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, 0 janvier, je vous demanderai d'oublier le businessman riche et célèbre. Ma question, vous la connaissez. Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau à Houdun Tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins êtes-vous heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie.
j'aurais voulu être un acteur. Comme un millionnaire, vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Oh, 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 oh. Pourquoi j'existe? C'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café. Et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête, y'a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais. Où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison. Essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera pas.
smoke, c'est ma drogue. Je ne peux plus m'en passer. La nature et l'air pur, ça me fait plutôt tousser. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un maniaque de la télévision, juste en playback comme un bruit de fond. Besoin de bruit même la nuit, sinon je suis insomniaque. Les oiseaux, les crapauds, oh, ça me rend paranoïaque. Besoin pour faire tout. Je consomme à fond, je m'endette, je m'achète tout ce qui me passe par la tête. Je me jette comme une bête sur le dernier gadget. Je vis mon petit train-train de citadin moyen. Je suis bien dans ma peau. Je ne t'attendais pas. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie, tu la connais pas. Je voudrais leur dire aussi que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais un fils à maman, et tous les soirs en m'endormant, c'est quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volley, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que t'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné au cadeau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un coffret. J'ai couru chez le disquaire le long de la pour les changer. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie, s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ta vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. T'as changé ton nom pour lui. Je suis parti de chez ma mère, je suis retourné voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur, mais maintenant je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Le premier batteur au bout. Bring on the bomb!
un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Pour un rocker, Johnny, tu pourrais lui montrer ce que c'est qu'un vrai rocker. Tu pourrais lui montrer, tu t'appelles Johnny Rockford. Les concours d'un matin, moi c'est pas mon fort. Moi je trouve que celui des deux qui doit passer à Starmania, c'est pas toi Ziggy, c'est plutôt Johnny. D'ailleurs ça me donne une idée, je vais téléphoner à Télécapital et demander Cristal, en me faisant passer pour une amie à elle que j'ai connue déjà dans une vie parallèle. Je vais lui proposer une interview en exclusivité avec Johnny Rockford à l'Underground Café. Bloc souterrain 30, corridor B. C'est le scoop de sa vie, elle peut pas passer à côté. Pour un scoop, c'est un scoop si tu lis la vérité. Pour un scoop, c'est un scoop si tu lis la vérité. Trois jours plus tard, vous auriez dû voir arriver Cristal. Quand Johnny Rockford l'a aperçu, c'était fatal. Sadia n'existait plus. C'était fatal. Sadia n'existait plus. Moteur. Mesdames, messieurs, j'ai devant moi ce soir Johnny Rockford, le chef des étoiles noires, qui pour des raisons évidentes ne nous montrera pas son vrai visage. Johnny Rockford, on parle de vous partout. Et Johnny Rockford, qui êtes-vous, devenez-vous? Quel est le véritable personnage dissimulé derrière ce maquillage? Johnny Rockford, voulez-vous être Johnny Rockford? Pourquoi les étoiles noires? Votre philosophie terroriste est-elle naturiste ou futuriste? Moi je me fous de la politique. J'ai jamais lu un journal et je m'en prends pas plus mal. Johnny Rockford, vous, un enfant du chômage. Johnny Rockford, que pensez-vous du mariage? Mais qu'est-ce que vous aimez en musique? Quel est votre signe astrologique? Je m'appelle Johnny Rockford. Je suis né dans la banlieue du Nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle. À l'Underground Café, c'est là
j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans froid ni loi, je veux vivre et mourir sans feu. S'étaient rassemblés aujourd'hui dans le grand stade municipal pour écouter Zéro Janvier dévoiler son programme et électoral. Le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Jean-Pierre, président de l'Occident. En ce qui concerne la pénurie d'énergie, vous connaissez déjà ma stratégie. Quand nous aurons vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur Terre.
Notre prochaine capitale sera une station spatiale. Pierrot Janvier, président de l'Occident. Ce sont de nos ruinés pour le tiers-monde qui nous remerciera bientôt avec des bombes. Assurons d'abord notre survivance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Mesdames, messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions. Un bulletin spécial nous apprend que Crystal, le sourire de Télécapital, a été kidnappée au cours de la bagarre où elle s'était aventurée avec sa caméra à neutrons pour tenter de filmer les étoiles noires en pleine... pleine action. Vous voyez bien qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je crois pas qu'elle ait été enlevée par Johnny. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est enfuie avec lui. Il y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Prends le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes. Les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu-leu dans les villes de l'an 2000. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an. Oh!
Folle, toutes les nuits je rêve qu'on me viole.
visage comme une image divine qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine sur qui on éjacule. Ma sortie, j'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party, goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine. Laissez-moi partir, laissez-moi mourir avant de vivre. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi, laissez-moi partir. En technicolor. Bien m'envoyer cette gerbe d'orchidée accompagnée d'un télégramme, et c'est signé 0 janvier. Permettez-moi, madame, de vous importuner. C'est avec émotion que j'ai appris votre intention d'abandonner votre carrière pourtant spectaculaire. Laissez-moi vous rappeler ce que vous avez été pour tous les hommes de ma génération. Quand nous étions au front pour sauver la nation. Déesse de l'amour, déesse de la guerre, j'avais votre photo sur moi comme une relique. Vous qui avez guidé ma carrière militaire, voulez-vous présider ma carrière politique? Symbole de nos valeurs et de nos libertés, me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Je veux bien m'incliner.
Pour célébrer les adieux de la divine, le 12e art avait rendez-vous hier soir à la première de son dernier film, grande soirée de gala qui avait lieu au Monopolis Opéra. Stella Spotlight a fait sensation en arrivant à la projection, accompagné de Zéro Janvier, le célibataire le plus convoité de l'actualité. Ami Crystal qui, on se le rappelle, a été kidnappé il y a un mois, du moins, c'est ce qu'on croit, par les étoiles noires. J'ai pas vu Johnny ni Sadia depuis ce fameux jour-là. Il paraît qu'il se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer avec leur petite amie Crystal, qui doit encore nous préparer un joli scandale. Un joli scandale. Maintenant, ma petite, il va falloir revendiquer ton enlèvement. Je vais rédiger dès ce soir un communiqué étonnant. Je crois que ce serait plus fort. Je crierai au monde entier, au secours, j'ai besoin d'amour, au secours, j'ai besoin d'amour. Moi je dis que c'est elle qui a raison, laissons le faire à sa façon. C'est là qu'on voit que le petit garçon a bien appris sa leçon. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Oui, mais si moi j'ai pas envie de jouer les seconds violons, alors personne ne te retient, tu fais ce que tu veux. Johnny, je te préviens, tu joues avec le feu.
Si vous voulez un homme nouveau, c'est rosser l'homme qu'il vous faut. Allez plus loin avec lui. Votez demain, aujourd'hui. C'est rosser l'homme qu'il vous faut. Après cette publicité, pour le moins inusitée, voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de 0 janvier. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assoie. Ça va barder là. Ici pour l'interroger, votre ami Roger Roger. Qu'avez-vous de neuf à déclarer, monsieur 0 janvier ? Aïe, 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 aïe. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature ? Un peu de courtoisie, je vous prie, je suis votre invité. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan ? Quelles sont les priorités de votre gouvernement ? Je vous parle d'un monde à réinventer. Un monde où il ferait bon d'exister. Où notre priorité serait d'assurer notre sécurité. Parlez-vous d'instaurer un état policier ? Enfin, monsieur, voulez-vous m'écouter ? Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté ? Je vous parle d'opter pour notre liberté. Je vous parle d'un monde où tout ne serait plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et propreté. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Nous regrettons, mesdames, messieurs, cet incident malencontreux, mais... Comment ça peut-il arriver? C'est du sabotage organisé! Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Ce message de cristal nous a été transmis par des ondes spatiales dont l'usage est interdit. Décidément, cette Starmania, ça vous fait faire n'importe quoi. Je vous l'avais bien dit que Crystal nous préparait son petit scandale. Quant à Stella, je vous dis que celle-là, elle est vraiment tombée bien bas. Si vous voulez un homme nouveau, c'est rosser l'âme qu'il vous faut. Tu sais que c'est très important pour ma carrière.
Crystal est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec Johnny Rockford en costume d'étoile noire. Ce poster est partout en milliers d'exemplaires. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que tu recules. J'ai crié dans tous les médias que je partageais ton combat. Je ne veux pas être ridicule. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir quelqu'un à aimer. J'ai peur pour toi, tu sais. On pourrait s'en aller et tout recommencer. J'ai tout quitté pour toi. Ne me fais pas douter de moi. C'est trop tard, on n'a plus le choix. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. J'ai pensé qu'on pourrait faire sauter un supermarché pour offrir à tout le monde une entrecôte flambée. J'ai une meilleure idée. Si on faisait sauter la tour dorée de 0 janvier, on les ferait tous danser au milieu du brasier. Pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on a rien à perdre, quand on a rien à perdre. Si tu pars avec moi, je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tout sera en la loi. Si je t'enchaîne la voix, tu aimeras tes chats. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chat. Moi, des souterrains de la Tilaine, on trouvera bien un nom à traîner. Désespérément libre, on nous prend pour des fous. Ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout. On se fout de tout. On se fout d'être malheureux. On joue le vrai jeu. Te voilà, j'étais inquiète.
prends ton café et je suis prête. Marie-Jeanne, je regrette, ce soir on n'ira pas danser. Je suis venue t'annoncer quelque chose qui va te faire de la peine, je suppose. Je ne viendrai plus te chercher tous les soirs pour aller danser. Je suis venue t'annoncer que je pars, nos planètes se séparent. Sigir, t'es mon seul ami. Tu sais, j'ai revu Sadia quelques fois. Elle m'a fait engager comme disjockey au Nazi-Land, la discothèque de 0 janvier. Qu'est-ce que Sadia vient faire dans cette histoire? Elle a des amis au pouvoir. Alors, elle a laissé tomber les étoiles noires. Si tu veux savoir la vérité, Sadia travaille pour 0 janvier. Ziggy, tu me fais marcher. Dis-moi que c'est pas vrai. Aujourd'hui, pour toujours, faut
Surprise générale, l'actrice Stella Spotlight vient d'annoncer son mariage avec Zéro Janvier, qui sera célébré dans l'intimité en la cathédrale Notre-Dame des Armées. Le soir, il y aura une réception géante au Naziland, la nouvelle discothèque tournante située au sommet de la tour dorée du complexe commercial Zéro Janvier. Le soleil brille au Naziland. Je peux vous dire ce qu'ils vous préparent. Ne soyez pas surpris de les voir parmi vos invités ce soir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les entrées sont bien gardées. Ils sont en train de mettre une bombe juste au-dessous de vos pieds. Vous feriez mieux de vérifier avant qu'ils ne puissent s'échapper. Ils n'en sortiront pas vivants si on arrive à temps. Le soleil brille au Naziland. De 100 étages à bord de Howard et Mahé au 121e étage. Autour de nous ils tombent des bombes, plus besoin de creuser quand on est tous des morts en vacances, mais on s'en fout, ce soir on danse.
Dans un instant, nous connaîtrons le résultat des élections. Dans 3 minutes exactement, nous vous révélerons le nom du président de l'Occident. Les candidats étaient nombreux, mais l'un d'entre eux a retenu toute l'attention par ses prises de position. C'est ce soir que nous saurons si, oui ou non, le peuple est avec lui, comme les sondages nous l'ont prédit. La mort brutale de Crystal et l'arrestation de Johnny Roquefort ont donné à 0 janvier une réputation d'homme fort qui pourrait lui valoir une éclatante victoire. Mesdames, Messieurs, il est 20h. Vous voyez le vainqueur apparaître sur vos écrans. 0 janvier est président de l'Occident. Nous l'apercevons au balcon du comité du PPPP. Stella Spotlight vient d'arriver à ses côtés, où elle s'apprête à faire une déclaration. Stella Spotlight, nous vous écoutons. À moi l'honneur de proclamer la victoire de 0 janvier, l'homme qui est à mes côtés. Mesdames, messieurs, vous ne voudrez pas y croire, mais après tout, c'est vous qui avez voté. Telle est la volonté de la majorité. Ou bien regardez-moi m'accrocher au pouvoir. Voyez où peut mener le désir d'être une star. Tu seras ma victoire, je serai ton pouvoir. 0 janvier, président de l'Occident. 0 janvier, président de l'Occident. À quoi ça sert de vouloir monter si haut? À quoi ça sert de vouloir être si beau? S'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show, que la chaleur d'un spotlight sur la peau. L'univers est un star système. La terre est une poussière. La lune sera mon diadème pour mes noces grand sidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de mariée, une aurore. J'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop, le monde est stop, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. C'est mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Château.